Matin ou soir, à toute heure, l'alphabet au quotidien, à nos jours donne saveur, à tout moment nous revient. Hey, Diane, on arrive ensemble pour la pause café. Mais oui, tu ne me retrouveras pas dans ma bulle aujourd'hui. Et je sais que tu as déjà ton mot tout prêt. Évidemment. Mais toi aussi, j'en suis certaine. Oh oui, je suis même prêt à commencer. Très bien alors, vas-y. En arrivant là, à l'arrêt d'autobus hier, il y avait deux dames qui discutaient ensemble, puis j'ai entendu l'une d'elles dire « Je trouve ça essentiel dans la vie ». Ah, et qu'est-ce qu'elle trouvait d'essentiel? Malheureusement, j'ai raté le reste de la conversation. L'autobus est arrivé, les deux dames sont allées s'asseoir derrière, mais... Mais tu as trouvé ton mot en « e »? Essentiel? Effectivement. Et ça m'a fait quand même réfléchir. Je me suis posé la question tout le long du trajet. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans la vie? Et qu'est-ce que tu as trouvé? Bien, je peux pas révéler tous mes secrets comme ça, mais que je réfléchisse davantage à ce sujet, que je puisse orienter ma vie dans la bonne direction. Eh bien, tu me donnes quelque chose à réfléchir, moi aussi. Et toi? Toi, j'ai choisi quel mot commençant par la lettre E? Bien, tu sais que je vais visiter la maison des retraités de la paroisse? Oui, je me souviens que tu m'as déjà dit ça. Bien, j'y suis allée la semaine dernière et j'y suis passée juste à côté de quatre messieurs qui jouent souvent aux cartes ensemble. Et en finissant leur partie, ils se sont mis à discuter d'un sujet bien important. Quel sujet? Bien, ils disaient qu'est-ce qu'ils aimeraient écrire sur leur pierre tombale. Ah, tu veux dire leur monument funéraire? Exactement. Et celui qui parlait a dit qu'il aimerait qu'on écrive « Il a fait de son mieux ». Tu as choisi le mot « mieux ». Ça commence pas par eux. Non, le mot que j'ai choisi est « essayer » ou « faire des efforts ». C'est la même chose. Parce qu'au fond, je me dis, dans la vie, ce qui est important, c'est pas de réussir, mais de faire des efforts, de se mettre vraiment dans ce qu'on fait et de faire le mieux possible. Tiens, c'est une façon de voir les choses. Et tu sais, je pense que même Dieu est satisfait de ça. Ah, je vais lui poser la question. Et tu me donneras la réponse demain.